Mardi, le 19 novembre 2024, écoutons le pain de ce jour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus l'a traversée. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts. Et c'était quelqu'un de riche. Il chercha à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminés, il allait loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait de tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Acclamons la parole de Dieu. Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi, dans ta maison. Vite. Il descendit et reçut Jésus avec joie. Contrairement à l'aveugle que nous avons médité dans l'évangile d'hier, Zachée est un homme riche, correcteur d'impôts. À la sorte des Romains. À ce titre, il est tenu pour pécheur et de ce fait lui aussi, exclu de la communauté, exclu du peuple de Dieu. Peut-être aussi qu'il collectait pour son propre compte, voir sa réaction, si j'ai pris d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. Mais la rencontre avec Jésus produit en lui un total changement, mais aussi un nouveau regard pour les autres. Il cherche à voir Jésus. Et la parole de Jésus le touche. Et Zachée en a conscience. Jésus lui apporte quelque chose de neuf. Jésus voulait le regarder. Il s'aperçoit plutôt que c'est lui qui est regardé par Dieu. Et il l'aima. Lui aussi est un fils d'Abraham. On voit que Dieu aime tout le monde. Dieu n'abandonne personne. Il est l'ami de tout le monde. Dieu me regarde. Il m'aime. Il m'accueille tel que je suis, avec mes faiblesses. Et Zachée accueille la parole de Jésus. Et il se laisse rejoindre dans cette expérience d'amour. Il invite avec ses amis. Et Jésus accepte l'invitation. Quand on a fait l'expérience de la rencontre avec Dieu, avec Jésus,
On peut pas garder pour soi ces merveilles. On partage. Voilà par exemple le moment pour les chrétiens de partage de la parole de Dieu. On partage de ce que nous vivons dans l'Église, dans les sacrements. Il accueille Jésus qui éclaire son intelligence. Et Zachée a reconnu que Jésus est le Messie, le Sauveur. Il devient l'exemple par excellence de l'homme libéré par la foi qui accueille avec joie le salut que Jésus vient apporter à ceux qui le cherchent. On voit un Dieu qui est toujours à notre recherche jusqu'à ce qu'il nous trouve. Oui, Seigneur, viens au secours de notre faiblesse. Donne-nous de lumière pour avancer vers toi. Viens nous rejoindre, Seigneur. Accorde-nous cette grâce d'avancer comme Zachée. Oui, il n'a pas peur de qu'en dira-t-on. Il a essayé même de monter sur un sycomore pour te contempler, pour t'accueillir. Toi, notre Sauveur, sauve-nous du péché. Oui, Seigneur, guéris-nous de l'incrédulité. Guéris les malades. Réconforte nos familles. Console les affligés. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.